Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ici Youngblood. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Prey. Hop! Alors, on s'était laissé, voilà, la centrale électrique. Allez. 98 PV. Pas beaucoup de son. Il y avait un mimique qui se baladait ici, qui était descendu. Bah là, il y a d'électricité, mais on va essayer de passer quand même. On a. Ah, mais on a enfin l'objectif. Ça, du réacteur qu'on n'avait pas hier. Hier, j'ai dû avoir un bug. Ouais, voilà. Ok. Nickel. Bon, on va. Voilà, on va essayer de passer en dessous. Ok. Il me faut une tasse. Ah. Ah oui, il y a un télépathe dehors. Est-ce que. Non, ça c'est trop gros ça. Ah, mais ça! Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une musique qui fait peur là. Ah mais là il y a une tasse. Voilà. Hop. On va se mettre là. Lâche la tasse. Voilà. Nickel. Ok. On va garder celui-là au cas où si ça arrive. Ah, là, il y a un transcribe. Pourquoi il écoute pas automatiquement? Jean, ici Mariana. Je peux pas entrer. J'ai essayé de passer par le sas de la centrale électrique, mais il a l'air verrouillé. Et il y a autre chose. J'ai vu quelque chose quand j'inspectais la dernière station O2. Une forme ovoïde, à peu près la taille d'un camion. Je suis pas bien sûre. Je la distinguais à peine. Ça aurait pu être des débris. De la tuyauterie qui s'est détachée. Je sais pas ce que c'était, mais ça m'a foutu la peur de ma vie. Oh, merde, je dois avoir l'air cinglé. Oh, respire. Bon, je vais essayer un autre sas. Je te rappelle. Alors là, le problème, c'est que tout est décrit. Oh putain d'enfoiré. Bon, vas-y. Chargé. J'aurais jamais dû me prendre ce coup. Ok, c'est bon, il m'a mis là. Oh putain. Bon, vas-y, on va le réparer. Voilà. Ferme-moi ça. Et par contre, ça nous a pas arrangé le problème. C'est électrifié de partout. Oh putain! Ah mais on les voit même pas! C'est quoi cette blague? Ah non mais ils sont morts en fait! Ils sont fait électrocuter. Ok. Par où je peux passer? On va
Alors, c'est un chemin. Il faut que j'aille où? Il faut que j'aille en face, je crois. Oh non, il y a un poltergeist. Oh putain. Ah ça c'est la merde. Non! Ils veulent vivre en nous, comme on a l'air. Oh merde! Oh merde! Et... Non! L'enfoiré! C'est bon. Oh putain! Il m'a bien eu. Il m'a bien eu, l'enfoiré. Il nous a bien eu. Ah, je recommence de là. Où là les mimiques là, il y en avait deux. Ok, il est où? Non. Ok. C'est bon. Ok. Fouh. Sécurité est venue redémarrer le système. Oh d'accord, merci.
Je suis peut-être pas bien placé pour ça, mais... Quoi, j'ai pas la journée. Eh ben, c'est juste qu'il y a eu une fuite sans importance et j'ai dit à Conley que nous devrions attendre les nouvelles pièces, mais... Duncan, vos concours de beat avec Conley, je m'en tamponne. Parlez-en à Brooks. Le code est en pièce jointe. Ok. Là-bas, il y a un PC. Il n'y a rien de plus de ce qu'on a besoin. En fait, il y avait pas grand-chose en fait. Ouais, là, on peut utiliser le PC là. Ok, on va aller là-bas. Peut-être qu'on pourra couper le courant. Ok. Tac. Merde, chaque fois je me trompe de bouton. Ok, allons par là. Oula, ça fait peur, hein. Le courant de là. Ok. On y est. Alors, niveau 1. Allez, vas-y. Ah merde, c'est que des emails. Ok, blablabli, blablablu. Du coup, on peut pas couper le courant. Ça m'étonne quand même. Ah, peut-être en allant là-bas. Je vois que c'est ouvert. On va y aller. Merde. Ah non, on peut pas en fait. J'avais pas vu, il y a une vitre. Ah non. Ah putain. On s'est fait avoir. Bon, allez, on se casse. Comment je fais pour remonter maintenant?
Ah voilà. Ok, parfait. Bah finalement, c'était pas terrible de venir là. Ça a un peu servi à rien. Est-ce qu'on a à manger? Vas-y, j'ai 21 trucs comme ça. On peut s'en prendre un. Allez, on est parti. Mimique supérieure, elle est où? Je la vois. Allez, viens là, viens là, viens là. Viens là, saloperie. Oh, bah, elle est morte. Ah. Oh putain! Oh non, pas un voltaïque. Vas-y, on va la tirer. What? What? C'est qui me tire dessus là? Putain, mais c'est un fantôme de base. Nickel. On l'a niqué. Et voilà, nickel. Coucou toi. Putain d'enfoiré de merde. Hein. Oh non! Je pensais que je pouvais encore encaisser un coup. Ah, c'est les tourelles qui les tuent. Ah bah parfait. Nickel ça. Nouvelle aptitude disponible. Ah y a un... oui, c'est vrai qu'il y a le télépath qui est en haut. Il y a le fantôme qui est là. Ok. Ah, c'est bon, il nous a capté, l'enfoiré. L'enfoiré nous a capté. Ah, le bâtard. Oh! Coco. Voilà, nickel. Rien de moins. Oh le bâtard! Je savais pas qu'il peut nous envoyer de l'électricité comme ça, lui. Nickel. Il y a un autre fantôme. Attention. Il est où?
de la cible. Matériel Typhoon non concluant. Enregistrement de la demande de calibrage. Ah, il est là. C'est qui m'a vu? Voilà. Allez, butez-le. Scan de la cible, matériel Typhoon non concluant. Il est passé où? Enregistrement de la demande de calibrage. Bah. Il est mort? Ah ouais. Ah merde, j'ai plus de place. Ah non. Ok, bon bah ils l'ont buté, c'est parfait ça. Ah. Oh putain, non, il est là. Allez-y. Allez-y, butez-le là. Ok, nickel. Alors, on a récupéré une petite grenade qu'on va manger. Voilà. On a 3 neuromodes. Pack de batterie pour le pistolet et disjoncteur. Ah, ça, on peut vendre. J'en ai 2225. Oh putain. Ah, ça, c'est le rayonnement Q. Ok. Ok, c'est parfait. Visitons un peu cet endroit. Attention quand même. Ok. On va remonter et visiter un peu en haut. Ok, là il faut un code. Ah, mimique. Ah ouais, ok. Il y a plusieurs mimiques. Et j'ai 2 entrées. Bon, allez, go. 9, 4, 5, 9. Alors, attends. On va essayer de les buter discrètement. Ok, ça c'est une mimique. Merde, je fais n'importe quoi. Ouh. Allez, c'est bon. Allez, c'était combien là-dedans?
Neuromode, plan de fabrication, ressort rouillé. Ok, parfait tout ça. Du coup, j'ai 4 neuromodes. Résistance de mise à la terre. Ok. Des modificateurs d'armes, ça c'est parfait. Ah mais attendez. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Oui, il y avait un bruit bizarre. Coucou les gars. Vas-y, déploie. Pas trop confiance. Scan de la cible terreur, matériel Typhoon détecté, insuffisant. Mise au repos. Ok. Ah, et on est là. D'accord. Ça sert de venir là? Ça ne sert strictement à rien et à rien du tout. Il y a un truc en tout ça. Ah oui, il y a un truc en tout ça. Un neuromode. Ah, et on retourne là. D'accord, j'ai compris. 5 neuromodes. Ok. Bah, on commence. On pourra presque augmenter encore un truc. Oula. Ah, t'es sérieux? Mais non, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Mais c'est une blague ou quoi? Ok. Ah bah, nickel. Par contre, ça, je crois qu'on en avait besoin. C'est ça ce qui manquait. Pourquoi il y a des trucs bizarres là? Oh, t'es sérieux? Je crois que c'est ça qu'il nous fallait pour là. Oui. C'est ça qui est cassé, je crois. Ah. Attendez. Résistance de mise à la terre HS. Résistance de mise à la terre. Bah voilà. Ah bah voilà. Il y a deux neuromodes ici. Et comment je fais pour entrer? Est-ce qu'on a la map? Comment on fait pour entrer là-dedans? Ah, c'est peut-être par le sas distributeur d'opérateurs. Comment je fais pour entrer là-dedans? Ouais, on se casse. Go. Par là, on n'a pas vu. Nickel.
Ah si, ok, je retourne là, d'accord. On retourne là. Et ouais, bon, on n'a plus rien à faire ici. Allons par là. D'accès de superviseur. Ok. Talia Brooks, dans la chambre de refroidissement. Elle ne s'en est pas tirée, mais elle a probablement sa carte sur elle. Dans la chambre de refroidissement. Airlock. Mais on n'y est pas là, dans la chambre de refroidissement. Ah bah, il y avait des trucs là. Ah là. Bah ben non. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un truc ou quoi? Accès à la salle de contrôle réacteur. Talia Brooke devrait être en possession de la carte d'accès ouvrant la salle du réacteur et les bureaux des ingénieurs, vus pour la dernière fois dans la chambre de refroidissement. La chambre de refroidissement. Centrale électrique. C'est où la chambre de refroidissement? La chambre de refroidissement, mais c'est pas là. C'est pas ici la chambre de refroidissement. Oh putain, l'enfoiré. Enfoiré. Ça doit être quelque part par là. La chambre de refroidissement, putain de merde. Réserve de pièces détachées, non. Ah, attendez. Je l'avais pas vu. Là, il y a un cadavre là. Voilà, c'est là. J'ai une fuite de manière pas très conventionnelle il y a quelques semaines. Ah ouais? Est-ce que c'était un petit oiseau lèche-cul du nom de Krasikov? Peut-être. Tu peux éclairer ma lanterne? Pas si je vais me prendre une tape sur les fesses. Pire. Je vais te balancer dans l'aquarium à anguilles. Aïe. Non, il n'y avait plus de pièces en réserve, alors j'ai emprunté le canon glue des types des labos techniques. Ça a bien marché. Ingénieux. Mais la prochaine fois, vérifie que t'as bien les pièces détachées pour réparer correctement. Compris, boss. Oh oh oh, il y a un fantôme. Est-ce que je peux l'avoir de là ou pas?
Ah non, on peut pas. Ok. Bon, je pense que j'ai assez de neuromodes pour m'augmenter un peu. J'en ai 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Alors, on peut augmenter notre combinaison au max. On peut augmenter nos armes technologiques. Ouais, bon, ça m'intéresse pas trop. On peut s'augmenter notre vie. Ça peut être pas mal. J'ai bien envie d'augmenter ma combinaison. Comme ça, on peut avoir pas mal de trucs. Et normalement. Ouais, je peux mettre encore des puces. Ah oui, on a quoi? Accélère le mouvement de la vitesse visée. Ouais. Augmente la batterie de la lampe torche. Votre combinaison est plus résistante aux dégâts d'environnement. Vas-y. En fait, je peux tous les mettre. Hein. Ah non. Attendez. Ah. Ok. Bah, je vais en aimer tous. Hein. Ah, je l'ai deux fois le même. Ok. Et là, on a quoi comme puce? Augmente la durée de contrôle des machines et améliore le contrôle mental. Ouais, bof. Ça peut être pas mal. Ah, ça, c'est bien ça. Mais je crois qu'on l'a déjà. Ouais. Chance de coup critique avec le fusil à pompe. Permet de détecter les mimiques cachées. Bon, je pense qu'il n'y a pas mieux. Coucou, toi! Mais putain, mais ça me gaffe ça! Oh, j'ai mal. Morgane. Oh. Coucou, toi! Est-ce que les secours sont en route? Comment tout cela est-il arrivé? Ah, je peux déverrouiller. Ok. Bon. Ah, bah là, on peut se healer. Ok. Scare jump. Vas-y, soigne-moi. Merci. Nickel. De remplir le questionnaire de satisfaction. Vos commentaires nous tiennent à cœur. Ouais, on va aller la voir. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Oh. Je sais pas d'où ils sont sortis, mais... Ils étaient là. J'ai cru que j'allais mourir. Enfin, bien plus tôt que prévu. Ce truc sortait d'où? C'était Tony? Oh, ton nom. Le regard qu'il m'a lancé. Je me lèverais bien. Si mes jambes me laissaient faire. Et mes poumons. Et mon système nerveux. Ne fais pas cette tête. Paraplexie, tu te souviens? Tu m'avais prévenu. Les injections sont dans mon bureau. J'y arriverai jamais dans cet état-là. Mais les ascenseurs. J'étais sérieuse tout à l'heure. Je crois qu'on peut contourner le verrouillage. La salle de contrôle du réacteur. On peut tout mettre hors tension depuis là-bas. Toute la station. L'ordinateur essaiera de t'en empêcher. Ne l'écoute pas. Ensuite, prie pour que les systèmes se rétablissent quand tu redémarreras le réacteur. Ça devrait fonctionner. Non, ça va fonctionner. Vas-y, pars. Ok. Deux emails. Ok, intéressant.
Non. Vous vous souvenez pas d'elle, mais elle se souvient de vous. Elle a caché sa maladie pour travailler à bord de Talos One. Lorsque vous l'avez découvert, elle aurait pu être renvoyée sur Terre. Mais vous avez fait une exception. Je ne sais pas si cela vous rend responsable maintenant. Elle ne tiendra pas longtemps sans son traitement. À vous de voir si vous voulez l'aider. Oh, il y a un cauchemar. Oh non. On va essayer. Merde. Non. On va essayer de l'aggro. Je sais pas s'il peut venir ici. En tout cas. Ok, new track. Je crois pas qu'il puisse venir. Hein. Il est là-bas. Bon. Bon, allez, on va tranquillement continuer. Je pense pas qu'il puisse venir. Enfin, j'espère pas. Est-ce que je peux pas le scanner? Ah, je peux pas le scan, c'est dommage. Ah, ok, c'est pour descendre. On va essayer de le scan. Oula. Oh! Ah, il nous tire dessus, l'enfoiré. Oh putain. Allez, barre-toi. Putain, il est... Ça, c'est relou, ça. Les tirs à tête chercheuse, c'est ce qu'il y a de pire, je trouve, dans les jeux. On peut le scan ou pas? Non, mais t'es sérieux? Quoi, on peut toujours pas le scan? Mais c'est une blague. Voyons voir ce qui se passe quand il disparaît. Ah ok, il dépop. C'est quoi ce truc? Il a vraiment dépopé. Oui, il y a une musique qui fait peur là. Tiens, vas-y, on va utiliser ça.
Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Oh. Ok. Ok, il y en a 4. Est-ce que je peux les avoir de là? Je pense que oui. Ah merde. Ok, là on peut mettre l'ascenseur, c'est parfait. Ah, parfait ça. Ah non, je peux plus réparer. Pièces détachées, mais c'est quoi les pièces détachées? C'est pas ça? Kit de réparation de combinaison. Ah non, merde. Je me suis trompé. Putain, c'est vrai que je pourrais mettre des kits de combinaison, j'en ai beaucoup trop. Putain, je pensais que c'était ça les pièces détachées, mais je suis trop con. Détaché. Ah oui, 3. Ah, fait chier. Non. Le truc le plus important. Bon, il me faut des pièces détachées. Ah non, et là, il y a le truc. Oh là là là. Ok. Parfait ça. Bah, dites-moi qu'il y a des pièces détachées là. Putain, il y a combien de tourelles? J'ai pas un truc qui me permet d'avoir une neuromode là. Faire des pièces détachées. Ah non, c'est ça. Ok, non. Permet de démonter l'équipement de votre inventaire pour obtenir des pièces détachées et récupérer des pièces détachées sur les opérateurs détruits. Ah voilà. Bon, on va faire ça. Ouais. Pour avoir des pièces détachées. Alors maintenant, comment je fais? Séparer. Mais comment je fais pour avoir des pièces détachées, mec? Par exemple, là, ça. Séparer. Mais je veux pas séparer. Je veux avoir des pièces détachées, bordel. Ah, voilà. Désassembler. Ah, mais c'est nos équipements. Ah, bah ça. Voilà. Ah, on peut que séparer, putain. Onde zéro, un appareil expérimental développé dans le laboratoire. Une onde nullifiant le psy. Si vous attachez une surface. Est-ce que je peux améliorer les grenades? Ah non, je peux pas. Ah, mais je peux démonter le flingue. Eh oui. Les assembler. Ah, mais c'est un! Ah, ils abusent. Une clé. Cinq. Je crois que c'est bon. Ok. Ça c'est pour recycler. Et ça c'est pour créer des trucs. Mais je crois pas que je puisse créer des pièces détachées. Euh.
Allez, vas-y, on fait ça. Recharge, fusil à pompe, pistolet disjoncteur, batterie, batterie disjoncteur, charge recyclement, ah non, on peut pas. Kit de réparation de combinaison. Non, on peut pas faire de pièces détachées. Ah merde. Bon, en tout cas, on va faire un peu de. On va faire des balles. Voilà, crée-moi ça. Ouais, ok. Et on va faire des cartouches. Voilà, nickel. Bon, maintenant, il faut pas que j'hésite à ramasser des armes pour en faire des pièces détachées. C'est important. Tu sais quoi, tiens. On va mettre quelques tourelles. Erreur. Ajustement de l'inclinaison requis. On va même en mettre deux. Ça pour l'instant j'en ai pas besoin et là il n'y a rien. Ok, bah allez, allons par là. Des anti-raids, on en a pas mal. Est-ce qu'on pense? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Accéder à l'interrupteur d'urgence. Ah. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? J'active. What? Interrupteur désactivé, entrer la bonne séquence d'activation des interrupteurs. La bonne séquence. Ok. Ok. Voilà. Oula. Ah, je suis en microgravité. Change s'il n'y en a pas de bol. Mais on peut pas ouvrir là. Ah, c'est là. Où les gars? Nickel. Vas-y, attaque. Indicatrice automatique, version 0.7.6 en ligne.
Putain. Oula, oula, oula. Je suis irradié. Attention, empoisonnement ou radiation détectée. Merde. Oh non! J'ai rien pour réparer. J'ai installé les partiteurs du réacteur de rechange sur le mont de charge comme demandé. J'ai demandé à Conny de les descendre quand on en aura besoin. Ah là, il faut que j'aille chercher là. Je sais pas à quoi ça sert d'être irradié, hein. J'ai l'impression que ça nous fait rien du tout. Il y avait un bouton. Putain, il y a un truc caché, mais il y a rien dedans. Ça sert. Punaise. Ah, insérer la clé. Activer la clé. Attends. Ah, mais j'ai pas la deuxième clé. Ok. Ok, ça sert. En fait, c'est pour ça. Oh! Ça a marché. Je vois que les ascenseurs et les sas sont alimentés. Mais je détecte beaucoup de surcharge et de fuite dans la chambre de refroidissement. Fais attention en revenant. Les autres structures sont peut-être endommagées. Oh, je vois. Oh là là. Une tour est initialisée. C'est journée porte ouverte sur Talos One à présent. Malin. Dangereux, mais malin. Ça fait plaisir de voir que certaines choses n'ont pas changé. Je ne te mettrai plus de bâtons dans les roues. Tu mérites de connaître la vérité. Toute la vérité. Viens dans mon bureau. Morgane, c'était vous? Je sais pas ce que c'était, mais c'était flippant. Si c'est une sorte de blague, le courant semble revenir. J'espère qu'il en est de même pour l'ascenseur principal. Du coup, bon, on va se prendre déjà un anti-rade, hop là. Ouf. Heureusement que j'ai activé le... Que j'ai réparé ça.
Il s'est mis les deux tourelles sur lui. Mais je peux pas le scanner. Non mais c'est... Mais c'est pas possible, technopathe. Je peux pas le scanner, le technopathe. Bon, allez, on s'en fout. On y va, on se casse. Attention, Morgane. Tu as déclenché l'alarme de gaz dans la chambre de refroidissement après avoir redémarré le réacteur. Les turbines sont refroidies à l'hydrogène. Okay. Et maintenant, elles fuient. Appuie sur la gâchette et ce sera le dernier son que tu entendras. Ça reviendrait à t'asseoir sur une grenade dégoupillée. Au pire. Ouais. Joli travail, Morgane. Tu feras un bon ingénieur. Maintenant, dirige-toi vers l'ascenseur avant que je meure sous tes yeux. Mes poumons s'accrochent du mieux qu'ils peuvent, mais ma vue commence aussi à me lâcher. Merde. Je resterai là-bas, et si j'en suis capable, je t'aiderai. Mais je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Bon, il faut que je fasse quoi, là? Obtenir la clé d'armement de l'arboretum. Oh putain! Il faut que j'aille à l'arboretum. Mais d'abord, je veux aller là. Je veux sortir. Oui. Voilà. Et on va... Et on va faire la quête pour de nouveau avoir des neuromodes, quoi. C'est trop important. Parce que maintenant, si j'ai bien compris, tout est... Microgravité détectée. Tout est sous contrôle. Oh putain! Voilà. Parfait. Alors. Injection. Oh putain, oui. Faut la sauver. On va faire ça. Injection. UD1-39. Oh non. Pas ça. Oh, il y a un télé... Putain, le télépathe qui était dehors. Ah! Enfoiré. Il est où? Mais putain. Ah, il est là. Tu sais quoi? On va l'exploser. Adieu. Merde. Écrire. Foiré. Oh non, il y a un tisseur. Ah non.
qui s'explosent entre eux. Objectif, on va tout de suite le rendre. Ok, nickel. On est pas mal. Oh merde, Morgan. Je suis décidément pas au bout de mes surprises avec toi. S'il te plaît, dans ma nuque, essaye de trouver les marques. C'était plus difficile quand je le faisais moi-même. Putain, c'est bon, j'arrive à respirer. Et à sentir mes jambes. Ok, nickel. Toujours quelques taches devant mes yeux. Mais elle devrait bientôt disparaître. Merci, Morgan. Allez, maintenant, on va faire les trucs des neuromodes. Ah. Je me demandais comment vous réagiriez en trouvant Mikaïla. Vous avez risqué votre vie pour l'aider. Ça me laisse penser que l'extraction de neuromodes n'a pas tout effacé. Pas totalement. Aucune cible. Peut-être que les souvenirs les plus vivaces laissent des impressions résiduelles. Des formes de réminiscence. Ah, à toi. Peut-être possédez-vous plus d'empathie que je ne croyais. Êtes-vous certain qu'il n'aurait pas mieux valu? Sans vouloir être insensible, j'ai peur que sa réaction ne soit démesurée quand elle apprendra que vous désirez détruire Talos One. Après tout, il n'y a aucun moyen d'évacuation. Allez, et maintenant, c'est parti pour la quête des neuromodes. On pourra enfin s'en faire. Microgravité détectée. Alors, objectif. Alors, c'est. Trouver le bureau. Oui, c'est ça. Alors, c'est où? Objectif multiple. Oh, mais ne me dis pas que je le vois pas. C'est une blague ou quoi?
Attends, ça on va désactiver. Voilà, inactif. Ah là. Ah mais c'est... Pourquoi il m'a dit par là ce con? Il me dit par là. J'ai trouvé ton bureau, Morgane. C'est donc là que passe tout l'argent de Transtar. Chef Eliushin, vous êtes vivante. Igwe ? Bon bah. Vous vous en êtes tiré ? Ingénieur en chef. On va sur ça. C'est quoi ça ? Morgane, est-ce que... Non, c'est... Je suis January, l'opérateur personnel de Morgane. La même voix ? Tu parles d'un problème d'ego ? Bon, nous sommes donc trois, enfin quatre. Il y a quelqu'un d'autre des labos du département psychotronique ? C'est le poste de travail de Morgane ? Et un fabricateur ? S'il vous plaît, chef Eliushin. Morgane, viens ici, quand tu en auras l'occasion. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Qu'est-ce que tu veux ? À mon avis, il va y avoir des ennemis, mais bon. Ah putain. Et voilà, je peux pas l'attaquer. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Putain d'enfoiré. Il est où? Il est où? Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Mais putain! Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Enfoiré. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Mais comment je suis pour remonter, veuillez bordel. Évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Ah, par là, mais oui. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Alerte. Niveau dangereux de gaz explosif détecté. Veuillez évacuer et éviter toute flamme ou étincelle jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées. Ok. Demande de nouvel opérateur. Allez, vas-y, soigne-moi. Oh, quoi que j'en ai tellement, ça me fera de la place. Voilà, c'est bon.
support vie. Oh non, il y a un tisseur. Ok. Vous revenez de l'extérieur. Vous avez réparé les ascenseurs. Chaud. C'est drôle, vous ne trouvez pas. Aquarium à anguilles. Vos plâtres en star viennent d'ici. Découpés et recolorés. Oh là là. Connectés au système. Mais c'est quoi tout ça? Ça aussi. Bon. C'est plutôt drôle. Nouvelle attitude. Voilà. C'est bon? Elle est pas mal cette arme. Tiens, on va même l'augmenter, tiens. Alors, durée de tir. Tirer plus longtemps entre deux rechargements. Vas-y. Vitesse de rechargement. Voilà. Et là, j'ai deux chemins. Grande Lockwood. C'est quoi ça, Grande Lockwood? Ah, c'est ça. Extérieur de Talos. Ah putain, mais c'est à l'extérieur. Bon, je le ferai plus tard. Hein. Désolé. On se casse. Ça avant. Ah, peut-être c'était fermé. J'ai juste fait un truc. Voilà. Un grand hall de Talos. Ah, ok. Ouais, bah... Ça a dû être ça, à mon avis c'était fermé. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Oh non!
Ah, mais quel enfoiré à mettre des bombes partout là. Je l'avais pas vu. Ok, alors. Grand hall, support vie. Mais c'est tout! Mais. Bordel de merde. Mais je peux pas aller n'importe où. Mais c'est quoi encore ces conneries? Ah, ça saoule ça. Bon, vas-y, grand hall. Oh, il y a un télépathe. Il y en a. Oh putain, il y en a même deux, les enfoirés. Il faudrait que j'accède à la navette. On va aller chez nous. Vite, 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 vite. Bonsoir, Talos. Nous vous rappelons que la politique de notre entreprise stipule que vous devez enregistrer vos heures de travail supplémentaires volontaires auprès du conseiller de la station. Nous savons que les projets à bord de Talos One sont passionnants, mais même les esprits les plus brillants ont besoin de repos. Rappelez-moi comment la... Marianne. J'espère que tu ne m'en veux pas, j'utilisais ton poste de travail. J'ai trouvé les matériaux qu'il vous faut pour le canon glu. J'ai pu en fabriquer plusieurs cartouches. Merci. J'ai aussi trouvé de quoi manger en chemin. J'ai laissé tout ça sur ton bureau. Ne t'inquiète pas, tout était rien. J'ai vérifié aucun mouvement bizarre. Ne t'inquiète pas, j'ai laissé Igwe y goûter avant. Pardon ? Je plaisante. Je ne vous exposerai pas à ces aliens de mon plein gré. Ni personne d'autre, d'ailleurs. Ce serait... inhumain. Cool. Allez, c'est parti. Attends, vas-y, tu vas même mettre ça. Vu que j'utilise pas cette merde. Et tu vas mettre ça. Et tu vas mettre... non, c'est tout. Ça. Nickel. Ok, maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Je ne t'ai jamais dit pourquoi j'avais falsifié mon dossier médical. Je sais que pendant ton sermon, quand tu me disais que j'étais égoïste, etc., je sais que tu n'avais pas l'ombre d'un doute. Mon père a été emprisonné car il a critiqué l'intervention soviétique en Inde. De nombreux prisonniers sont perdus dans des camps de travail sibériens. Mais mon père, lui, a complètement disparu. Tout ce que je savais, c'était que Transtar recrutait des volontaires dans ces camps de travail. Je suis venu là pour toi. Et Alex, et vos expériences. Pour le trouver. Et maintenant, je sais qu'il était là. J'ai vu sur ton ordinateur. Tu as trouvé une liste de noms et de numéros d'identification du département psychotronique, du docteur Gallegos. On ne faisait jamais référence aux volontaires russes par leur nom, mais j'ai réussi à trouver un numéro attribué à mon père. On peut sortir son dossier, ses enregistrements archivés. Ok. Je t'ai déjà demandé beaucoup. Mais si tu pouvais trouver cette archive dans le stockage... Je vais enfin savoir ce qui est arrivé à mon père. Il s'appelait Yuri Andronov. V-010655-32. Ah. Morgan. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir utilisé votre fabricateur. J'aimerais vous aider. Pas de soucis. Vas-y, bah aide-moi. C'est toujours mieux que la caisse. Mais je crains que nous ne soyons toujours pris au piège. Morgan, lisez-moi. Ah. Dernier jour, parce que plus de O2, focus tôt, égale plus... Ah oui. Oui, je sais. Il faut que j'aille au neuromode. Je chercherai d'autres neuromodes en votre absence. Ah, il y a des neuromodes, lui. Le corail est peut-être une sorte de réservoir de toute l'énergie accumulée par les typhoons. Non, je ne pense pas.
Je dirais que le corail présente une ressemblance frappante avec le système nerveux. Vous pensez que les Typhoons tentent de constituer un esprit désincarné? Ce n'est qu'une supposition. Si j'avais davantage de temps pour l'étudier... Vas-y, prends ça. On va mettre ça là. Ah non. C'est une fleur, bordel. Oh non. Putain, ça marche pas. Il y a quoi là? Ah. Je peux peut-être trouver un truc. Genre une... Ça. Nickel. Attention. Ok. Tout semble normal. Ok, tout semble normal. Parfait. Y a rien dans les placards, c'est une blague quoi. Tout ce qui n'a pas d'étiquette avant de vendredi finira à la poubelle. Ok. Oui, tout a fini à la poubelle. Attends, c'est une pièce où il y a rien. Ok, c'est une pièce où il n'y a strictement rien du tout. Parfait. Magnifique. Attention. On peut aller là. Oh oh oh. Oh non. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Merde. Allez, dégage-moi cette merde. Votre attention, la directe. Ok. Et quoi ici? Plus. Oh. Ok. Bon, je crois qu'il n'y avait rien. Oui. Les pattes de merde. Clé de décryptage. On va aller voir ça. Merde.
On va aller voir la clé de décryptage. Ok, c'est là. Déverrouiller là. Alors, clé de décryptage. Allez, c'est parti. Bim. C'est chargé avec le décryptage de Vrise. Parfait. Écoutez le message décrypté. Tu transcrives. Bah, vas-y. J'ai essayé de passer par le sas de la centrale électrique, mais il a l'air verrouillé. Et il y a autre chose. J'ai vu quelque chose quand j'inspectais la dernière station O2. Une forme ovoïde, à peu près la taille d'un camion. Je suis pas bien sûr. Je la distinguais à peine. Ça aurait pu être des débris, de la tuyauterie qui s'est détachée. Je sais pas ce que c'était, mais ça m'a foutu la peur de ma vie. Oh, merde, ouais. Tu dois avoir l'air cinglé. Oh, respire. Bon, je vais essayer un autre sas. Je te rappelle. Allez. On va ouvrir le coffre. Trois neuromodes, ça c'est parfait ça. C'est vraiment parfait. Alors ça c'est quoi là-bas? Bonsoir Talos. Le docteur Adley Dalton organisera cette semaine un séminaire supplémentaire sur les connexions neuronales dans la salle d'entraînement du Grand Hall. Ça a l'air passionnant. Les places sont limitées, alors envoyez un email au docteur Dalton pour toute réservation. Il fallait pas que j'écoute un truc là. Données. Email, journal audio. Non. Un énorme sur l'écran. Accéder au terminal des archives, trouver Jean Fort. Trouver une information sur OK. Ça fait... Écouter le message décrypté du transcribe. Trouver autre évaluation psychologique au grand hall de Talos. Écouter le transcribe. Décrypté. Mais comment je fais ça? Ah, c'est peut-être ça? Ah non. Journal audio. Ah! Mais vas-y, je vais écouter ça, jouer. Mathieu, j'ai une question, disons, hypothétique à te poser. Je t'écoute. Tu peux y aller, Franco. Je t'ai vu me reluquer les fesses dans mon uniforme Transtar. Si tu veux qu'on sorte ensemble, il suffit de... Non, c'est pas ça, c'est sérieux. Sérieux et hypothétique? Eh merde. Bon, je t'écoute. Imaginons que t'aies découvert quelque chose qui relève de la haute trahison. Quelque chose de potentiellement mortel. À tel point qu'il faudrait en avertir tout le monde. Eh ben, je te dirais d'envoyer un email. D'appeler la sécurité. Quoi? Mais ça doit être fait de façon anonyme. Merde, Manny. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait du tout. Pas encore. Bon, alors tant qu'on est dans l'hypothétique, je suppose que j'enfilerai une combi pour aller l'afficher en énorme sur l'écran de ce panneau orbital. C'est pas une mauvaise idée, merci. Et pour
ta gouverne, t'as un cul trop plat pour moi. C'est ça. Faut que j'aille en haut, mais je vois pas où. Ah, mais là? Ouais, mais non, non, non. Putain, mais c'est juste là. Attendez. La carte. Non, y a rien en fait. Ah, mais si, département de neuromode. Mais putain, mais quel con. Eh oui. C'est ça. C'est là où je veux aller. Bon, on va tout y aller. Oh là là. Oh merde, je peux pas. Oh la vache. Je sais pas ce que c'est ça là, le 22 mètres là. Mais là je le regarde. J'avais pas le truc neuromode. C'est peut-être en hauteur en fait. Ah oui, c'est en hauteur. Par là, avec où on court. Les loups causent beaucoup de problèmes sur Terre. Et aujourd'hui, ils jouent avec les étoiles et pensent ne pas se brûler. Je me demande pourquoi vous nous avez ouvert la chambre et montré l'horizon. Aiguisé, affûté, affamé. Vous vous entourez de machines, de choses. Elles ne vous protégeront pas. Elles vous mangeront aussi. Et quand elles auront fini, je prendrai votre combinaison. Je deviendrai MU. Et j'aurai accès à la navette. Si tu veux. Enfin, on est au département neuromode. Du coup, on va le buter et on va récupérer nos trucs. Oh putain d'enfoiré! On va attendre.
va tuer les trucs là. Ils sont où? Les télépathes là. Ah, j'ai presque plus de munitions. Voilà. Allez, descend, descend, descend. Voilà. Moi, il est mort, lui. Il me reste 16 balles. Au moins on en a tué un et on a... On va échapper au cauchemar. Voilà, parfait. Pouf. Bon, une quête là. Non, j'en ai qu'une. Ok. Allez, on va y aller. Ah, je peux pas aller là. What? Ah, c'est un fantôme, ok. Putain d'enfoiré, ça me gonfle ça! Bon, comment je fais pour monter là? Putain, les tirs téléguidés, mais c'est tellement horrible! Voilà. Ah ouais là. Allez, viens par ici enfoiré. Viens par ici enfoiré.
Merde. Mais putain! Enfoiré de merde. Oh putain! Bon, par où? C'est par là. Ah, voilà pourquoi je peux pas y aller niveau 4. Ok. Oh putain, comme je suis passé, c'était magnifique ça. Parfait. Oh non, mais encore, mais c'est pas possible. Oh, mais ils abusent avec ça. Encore un télépathe, mais putain, ils nous cassent les couilles avec ça. J'ai combien de neuromodes? J'en ai 5. Est-ce que je peux évoluer un truc? J'ai bien envie de faire ça pour faire plein de dégâts. Vas-y. On va faire ça. On va un peu les attaquer avec ça parce que j'ai plus beaucoup de munitions. Ok, ça fait 0 dégâts. Merde. Voilà. On va se prendre un petit psy. Ah ok, le télépathe il a pris 0 dégâts. Ok, il prend 0 dégâts le télépathe. Merde. Ah, ok. Il fait mal, il fait mal. Mais putain! Il crève là. Et voilà. Putain d'enfoiré.
Putain, mais il y a plein de trucs ici. Alors, voyons voir déjà ça. Ça dit quoi? La porte des cônes, venez me voir si vous avez besoin d'entrer grave. Oh putain. Ah ok, faut que je force. Ah bah finalement, il n'y avait pas grand chose. Non, là, ça me sert à rien de recycler. J'ai combien de pièces détachées? J'en ai que 4. Ok, c'est là où que je dois aller. Oh oh oh, il y a un truc là. Ah, une mimique. Cool les gars. Voilà. Merde, par où je sors là? Merde, je suis venu comment? Ah là! C'est vrai. Ok, il y a bien un truc ici. Hop là! Alors, utilitaire. Ouais, non, c'est le sens. Licence, ah, voilà. Putain, enfin, je l'ai. Ah, merci. Je vais encore faire les nomades. Du coup, je vais pas tuer l'autre. Il est pas aussi dans le truc neuromode. Focus to... Bah si, département. Je peux le suivre depuis le poste de sécurité situé dans le quartier. Ouais, tuer le Focus to. Mais le Focus to est en réalité le volontaire de fuite. Je peux le suivre depuis le poste de sécurité situé dans le quartier des volontaires du département neuromode. Ah, mais en fait, il est pas du tout au neuromode. Attends. Ah, je dois aller là, oui, effectivement. Bon, allez, on peut se casser. J'ai ce que je voulais.
Ah, mais voilà. Parfait. Je peux le faire. On va se faire voilà, des neuromodes. Ça demande quoi? Je vais m'en faire plein. Attends, on va peut-être faire deux paquets de... Je vais peut-être juste me faire ça, des balles. C'est combien? C'est 30. Allez, je m'en fais encore. Et maintenant, ça va être full neuromode. Voilà. Allez, neuromode maintenant. On va s'en faire, mais la race. Je m'en fous. Oh là là, ça, ça fait plaisir, ça. Ah, je vais tout liquider, hein, je m'en fous. J'en ai vraiment rien à secouer. Depuis tout ce temps-là, je peux pas en faire. Merde. Ça m'a pas faire un maximum là. J'ai chaque fois de faire ça. Je pense que après je peux encore en faire un et c'est fini. Non, après je peux encore en faire un. Et voilà, c'est le dernier. Je peux plus en faire. Voilà. Parfait. On en a combien? 22. Alors là. Alors là, on va se faire plaisir. Alors là, on va se faire plaisir. On va déjà faire ça. Voilà. On va se faire ça. On va se faire ça. Quoique. On va se faire ça. On va se faire augmenter l'endurance. Augmente la vitesse de déplacement. Bof, bof, bof. Vous êtes en état de transcendance pendant 10 secondes. Le temps ralentit et vos actions consomment 50 secondes. Je sais pas trop. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. 200 dégâts pour cent. Ah oui, 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 ça c'est très très bien ça. On va faire ça. Et ça. Parfait. Voilà, là on est bien là. Là on est bien. Merde. Là maintenant je fais énormément de dégâts de furtivité. Ça c'est parfait. Voilà. Alors maintenant. Écoutez.
décrypter le message décrypté du transcribe. Mais comment je fais pour écouter ce putain de message? Attendez, si je mets que ça. Est-ce que ça me met où? L'objectif multiple. Il me dit d'aller là. Merde, 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 qu'est-ce que... Ok, en fait, j'ai plus de mission. C'était où? C'était là. Alors, peut-être qu'il y avait un truc ici caché. Ouais, on se casse. Ah non, 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 on va aller à l'arboretum, je crois. Arboretum, je vais trouver Dr. Julian Howard. Il y a ça. Bah, attends, mais il n'y avait pas. Ah non! Ah bah, c'est là, oui, ok. On va aller à l'arboretum. On va pas se faire chier. Allez, let's go. Ah. Alors. Arboretum. Ça sent le scare jump. J'en étais sûr. Foiré de merde. J'en étais sûr. Ah oui, mais maintenant je peux augmenter les trucs là. Ouais. Je peux augmenter un truc. Alors j'ai quoi? J'ai là. Ouais, bon, neutralité, bof. Par contre, ça, ça peut être pas mal. Espérant qu'il fonctionne encore. Ah mais je suis déjà... Oh, oh putain, il y a un tisseur. Ah. Ok, tisseur en vue. On va faire ça. À l'enfoiré. Oh putain, on va te faire foutre.
Ah! Morgan, cet énorme typhoon est apparu peu après l'installation de vos neuromodes extraterrestres. Ah, le cauchemar! Oh oh oh, qu'est-ce que je vois là? Espèce de petit enfoiré. Ah non, un nombre maximum d'opérateurs atteint. Oh putain. Il peut pas me heal, ce connard. Allez, barre-toi. Ah mais je suis con. Je devrais l'analyser. Ah ok. Non mais pas la tourelle, putain, mais le cauchemar, bordel de merde. Analyser le cauchemar, ce connard. Putain, il restait 10 secondes. Il restait 10 secondes pour qu'il se barre, ce connard. Putain. Je t'envoie le code de mon puits gravitationnel, en espérant qu'il fonctionne encore. Typhoon est apparu peu après l'installation de vos neuromodes extraterrestres. Il vous traque. Bon, on va passer par là. On va pas perdre de temps. Ah ouais, mais... Oh non ! On se casse. Putain, mais comment on fait pour le buter, lui? Je comprends pas. Thank you.
Morgan, ici le docteur Igwe. Êtes-vous à proximité des quartiers de l'équipage? Si oui, j'ai une requête purement personnelle à vous faire. Ma collection, la galerie de photos qui m'a valu tant de railleries. Chaque image constitue le code de décryptage d'un groupe de données neurales, de connectomes, d'individus reçus dans la station. Parmi eux, le pianiste Lettner. Il est mort. Son don ne peut pas disparaître. C'est tout ce qu'il en reste. Je vous en supplie, Morgan. Si vous pouviez, je vous en serais reconnaissant. Je vous envoie un fichier audio qui ouvrira le coffre-fort de ma chambre. Vous pouvez le lire avec votre transcribe. Allez, c'est bon. Morgan, j'ai trouvé un projet de satellite traitant des signaux psychotroniques à distance. Le RPSS X5. Il pourrait imiter une empreinte neurale identique à la vôtre. En d'autres termes, vous pourriez vous en servir pour vous débarrasser de ce nouveau typhoon. Malheureusement, d'après les derniers rapports, le satellite a été endommagé. Vous allez devoir trouver une pièce de rechange. Tout va bien ? Ça ira. J'ai dû poireauter un moment. Deux blaireaux de la vente s'étaient dit que c'était le moment idéal pour fumer des cigares juste en dessous de l'alarme. Bon, la cargaison a quitté Talos ? Mes clients sont impatients. Ouais, je viens d'envoyer la dernière partie. Elle devrait arriver sur Terre demain matin, heure de la côte ouest. Très bien. Je te laisserai un autre paquet demain, après le service. Lieu de livraison ? Le grand hall, en espérant qu'il fonctionne. Évidemment qu'il fonctionne. Tape trois fois dessus avec une clé à griffe. Ça l'ouvrira. Ils marcheront tous pareil d'ici demain. T'es trop mignon quand tu parles de tes gadgets comme ça. Ne me prends pas de haut, Lily. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Alors, terminal, bureau d'Alex et module d'évacuation. Ouais, mais module d'évacuation, on a vu que ça nous faisait mourir. Non, pas par là. Merde. Ok, bon, fusil à pompe. Hop là. Ok. Viens par là, toi. Inspection en cours. L'intégrité de votre... Ok, ouais, allons voir le terminal. Bonsoir, Talos. Ah, il est là, tu sais. Rash souhaite vous rappeler que vous devez le contacter immédiatement si vos données personnelles ont changé depuis votre dernière fiche de paie. Le bureau de Monsieur Tucker se trouve au premier étage du grand hall. Ah! Bon, il m'a saoulé. Rien.
Voilà. Saloperie. Putain, il est tombé où? Ah là. Alors, le terminal. Connectum letter. Ok, mais le terminal là, il est où? Ah, il est là. Ah merde, mais je sors en fait. Ah non, bah non, 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 non. On va pas sortir. Oh non, mais c'est pas vrai. Ouh. Ah ah ah, j'allais, on n'y était pas. On va voir. Alors. Merde. Ok, nickel. Il n'y avait que ça. Voilà. Modificateur d'armes. Ok. Ah oh, putain d'enfoiré. Mais non. Attendez, 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 c'est quoi ces conneries là? C'est quoi ces conneries? Connectum de Leitner. C'est quoi ça? On va y voir. Accès au terminal d'archive. Projet la blackbox. Trouver les dispositifs de communication satellite. Les 6 points de chargement de Talos. Récupérer les contrebandes dissimulées. Ah, ok. Putain, mais j'arrive pas à comprendre. C'est ça, docteur Julien Howard? Non. Ah! Voilà. Quartier de l'équipage. Ah, ok. Connecteur de défunt. Ok, 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 d'accord. Ouais, bof. Oh putain, c'est quoi ça? Tourelle. Bon, allez, et on va pas tergiverser là 150 ans. On va aller dans son bureau.
Ah bah. Morgan, je ne vais pas pouvoir te rejoindre. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Juste un cadeau de la part de ton grand frère. La vérité, comme promis. Il m'a fallu du temps pour la découvrir. Quelqu'un voulait te la cacher. Mon ordinateur, une autre vidéo. Regarde-la, on parlera ensuite. Je t'envoie le mot de passe, enfin, si tu n'as pas déjà piraté le système. Bon. Dossier. Commande du miroir. Ok. Avant de lancer la clé, regardez la vidéo dans le bureau d'Alex. Et où est-ce qu'elle est cette vidéo ? Ah, c'est peut-être ça. Passer la vidéo sur l'écran principal, ok. Je m'appelle Morgan Yu. Nous sommes en 2035. Je suis sur la station de recherche Talos One. Quoi d'autre ? Pourquoi faisons-nous cette vidéo ? Ah oui, parce que mon grand frère est paranoïaque. Les données psychométriques montrent de grandes variations dans les schémas de personnalité entre les différents tests des nouveaux neuromodes. Peu importe, je ne suis jamais senti aussi bien. Je veux dire, regarde un peu, on a réussi, Alex. Ça marche. Profites-en tant que ça dure, parce que dans quelques minutes, tout disparaîtra après extraction et réinitialisation. Je sais, et ma mémoire aussi. C'est le seul moyen. Parlons de la sauvegarde. Bon. Les organismes Typhoon semblent produire une structure élaborée, un matériau inconnu, un but inconnu. Mon instinct me dit que c'est une sorte de structure neuronale, mais externe. On attend les analyses pour confirmer. En attendant, j'ai donné à Alex le plan d'un appareil qui pourrait tout bloquer, en cas de fuite du sujet. Alex doit juste s'armer de courage et le fabriquer. Pas besoin de t'attribuer tout le mérite. Et si ça ne marche pas ? Ça marchera, crois-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Tout faire sauter ? Ça nous sauvera pas. Et si ça marche ? Ça vaudra le coup ? Les gens qui nous succéderont seront plus forts, plus doués, immortels. Ils pourront nous juger s'ils veulent. Mais ils sauront qu'ils existent grâce à tout ce qu'on a fait. C'est bon. Je suis prêt. C'était toi qui me l'avais demandé. Je pensais que tu ne me croirais pas tant que tu ne l'aurais pas entendu de ta propre bouche. À cause des tests, tu as changé. Pas beaucoup au début. Mais à force de vider ta mémoire, je ne te reconnaissais plus. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon frère pour qu'on puisse finir ce qu'on a commencé. L'appareil dont tu as parlé, c'est une version avancée de l'émetteur d'ondes zéro. C'est le seul moyen d'arrêter les typhoons sans détruire tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent. Il ne nous manque plus que quelques données du corail pour finaliser le prototype. Aide-moi à le terminer, Morgan. Et je te donnerai ma clé d'armement. Je ne pense pas que tu décideras de l'utiliser, mais tu l'auras. J'ai laissé une puce pour toi sur mon bureau. Mmh. Tu devras mettre à jour ton psychoscope pour scanner le corail. Je t'enverrai l'emplacement des zones à scanner. Ok. Alors, truc de corail, c'est quoi ça ? C'est ça. Moitié. Le corail. Ok. Ah, je vais enlever ça. Bon, on va réessayer ce truc-là. On va sauvegarder. Non. Faire une vraie sauvegarde. Voilà.
Et voyons voir, qu'est-ce que ça dit, ça? Si je fais ça, il se passe quoi? Morgan, cette vidéo est... Je la confronte encore à mes directives. Mais si scanner le corail vous permet d'accéder à la clé d'armement d'Alex, alors c'est peut-être la meilleure option. Connaître la finalité du corail confortera peut-être votre décision de détruire Talos One. Soyez prudent. Il nous reste peu de temps. Oui. On va le faire. Juste pour la science. Parce que j'avais oublié ce qui se passait en fait. On meurt, mais qu'est-ce qui se passe? On échoue, je crois. Un truc comme ça. On va pas tarder, hein. Ouais, voilà. Ça veut dire qu'on est dans une simulation ou une connerie comme ça. Bah ben voilà. Ok, bon bah. Ben voilà. Bon, c'est quoi la suite? On fait quoi? Scanner le corail à l'extérieur de la station. Obtenez la clé d'armement d'Alex. D'Alex, alors c'est peut-être la meilleure option. Connaître la finalité du corail confortera peut-être votre décision de détruire. Ah, et là on peut sortir, je crois. Soyez prudent. Il nous reste peu de temps. Oui, on va faire le truc. Allez, let's go. Comme ça, on va juste récupérer le corps de l'autre. On revient, on fait le terminal et on s'arrêtera là. Microgravité détectée. Oh putain, il casse les couilles avec ça. Pour votre frère, cette version de vous est le véritable Morgan. Et pourquoi? Simplement parce qu'il était là avant vous. Si quelqu'un vous avait fabriqué. Alors je suppose que votre véritable nature serait celle qui remplit le mieux les fonctions que votre créateur a programmées. Je sais qui m'a fabriqué, et dans quel but. Morgan, quelqu'un vous a-t-il fabriqué? Remplissez-vous une fonction. Si vous n'en avez pas, ce sera à vous-même de la définir. Ou de vous en affranchir totalement. Étrangement, je sais beaucoup de choses sur vous. Mais je ne connais pas vos convictions. Ce sera à vous de décider, Morgan. Ah, mais c'est là le nodule de corail. Alors attends.
Voilà, scanner le corail, employé, localisé, extérieur de Talos. Voilà, on va faire ça. C'est où? Ah, mais on le voit même pas. Ok. Oh non. Il y a quoi? C'est un télépathe là? Cadavre humain. Ah oh, putain oui. Ouais, on se casse vite fait. Il y a des tisses. Oh là là, mais c'est une... horrible. Allez. Allez! On se casse. Putain. Ah tiens, une navette.
On va aller voir. Personne ne répond. J'avance plus. Je répète, les moteurs sont coupés. Je pars à la dérive. Bordel, Zef, répondez au transcribe. Ok. Merde. Je fouille la cabine. J'ai une arme de poing. Si tout va bien, je vais tenter une évacuation par un sas. Il n'y avait rien de plus là-dedans, j'ai l'impression. Ouais. Allez, on se casse. Là, il y a aussi des capsules d'évacuation. Juste aller voir. Allez, on rentre et on s'arrêtera là. On va juste aller voir ça. On peut pas rentrer? J'ai l'impression qu'on ne peut pas rentrer. Et cela non plus. Bon, allez, on se casse. Ouais, mais non, allez, go. Allez, mène-toi. Ok. Et ben on va s'arrêter là. Voilà. 2h45 de live. C'est pas mal.
intégrerai dans le plan de fabrication de l'émetteur d'onde zéro aussi vite que possible. Et fais attention, les typhoons vont commencer à flairer notre intention d'endommager le corail. Ils vont essayer de t'en empêcher. J'ai laissé quelque chose qui devrait être utile sur mon bureau. Ah. Alors là, on a un truc sur le terminal. Ah non, c'est les stockages. Non, s'il y a le truc pas très loin, on y va. Sinon, on se laissera là. Morgan, ici Igwe. Je me suis mis à l'écart. Le père de Mademoiselle Igyushin, Andronov, le cosmonaute. Il était ici. Je le sais. Je suis certain que l'on peut trouver des journaux, des enregistrements dans le stockage. Mais Morgan, vous savez déjà ce qui est arrivé. Vous avez simplement oublié ce que vous avez fait. Igyushin pourrait ne pas comprendre. Faites votre devoir. Mais si les preuves venaient à disparaître ou à être détruites avec la station, tout irait pour le mieux. Merde. Ah mais c'est juste là, du coup on fait vite fait ça et on s'arrêtera là. Alors vas-y, on va réparer notre voilà. Parfait. On peut pas éclater ce truc là. Toi. Ouais, je pense qu'on peut monter. Oulala. Ok. Démarrage du test 29, variante C, sujet V-010655-32. Le sujet 32 est dans la pièce. Ok, que tout le monde active son psychoscope. Vous avez une famille ? Préparez le typhoon Cacoplasmus. J'ai une fille. Ils me l'ont enlevée. On m'a promis que je la reverrai. J'ai signé vos papiers. Restez concentré. Votre famille... Vous devez vraiment la détester pour faire ça. Je l'entends dans votre voix. Vérifiez ces constantes. 32 montre des signes de détresse. Cortisol et rythme cardiaque élevé, transpiration. Rien dans le rouge pour l'instant. Regardez-moi. Regardez l'homme que vous êtes en train de tuer. Le mimique est prêt. Autorisation pour ouvrir, Morgan. Ce que vous faites va nous tuer. Ouverture. Le spécimen de Typhoon Cacoplasmus est dans la pièce avec le sujet 32. Transfert imminent. Début du téléchargement. Merci, Morgan. Merci infiniment. J'arrive pas à y croire.
je vais attendre que tu sois là pour les écouter. Morgane, reste sur tes gardes. Ok, on peut balancer ça, 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 j'ai tellement de trucs. Ouais, et ça. Voilà. Alors, attends, on a combien de munitions? 200, 97, 82. Ouais, bon, c'est pas mal. Bah du coup, on va se refaire des neuromodes. C'est reparti pour les neuromodes. Allez. Normalement, je crois que je peux en faire 5. Je crois que c'est tout du coup. Ok, bah on peut se casser. Hop là. Je savais pas ce que c'était, mais je me suis barré. Locoon, je sais pas où est-ce qu'il est. Module d'évacuation d'Alex. Objectif multiple. Connected Letner. Ouais, bon. Allez, on s'arrête là. Voilà. Du coup, on sera à la suite demain. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite tous une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous du coup à demain pour la suite de Prey. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.